Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Le Maître du Donjon. La souffrance qu'on inflige avec les pièges ne dure jamais assez longtemps pour qu'on en profite. C'est frustrant. Voilà une idée divertissante. Et nous pourrons aussi fouetter les sbires inefficaces. Tu entends, Revax ? Qu'on recrute des bourreaux. Affirmatif. Très utile pour réprimer toute dissension dans la troupe au regard des retards de solde ou de la médiocrité de la soupe. Oui, maître, je m'en occupe. Nom d'un robinet, le travail ici devient dangereux. Faudra penser à l'agneau. C'est une profession qui picole en général, par rapport au côté salissant. Mais j'aime autant pas trop les voir traîner à la taverne. Comme d'habitude, hein, les bourreaux sont trop jugés. Hein. Ah, on peut se faire des prisons, j'ai toujours pas fait de prison. Prison ! Je sais pas moi, on peut mettre ça dans un endroit sympa, genre juste à côté d'une salle là. Juste à côté d'une salle de garde. Genre c'est bien, c'est propre, c'est esthétique. Ça sonne bien, on aime bien le genre. On peut mettre des cellules, alors c'est des cellules quoi ? Des cellules pour humains, des cellules pour drow. Ah, on peut encager nos elfes noirs bien sûr, hein. Ça c'est formidable. On adore déjà. Est-ce que je serais pas en train de rater l'occasion de m'en aligner quelques-unes? Ouais, je sais pas, non, ça a l'air de se faire. Tac, 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 tac. En face d'humain. Voilà. Des toilettes qui piquent. Ça, c'est... je pense que c'est... voilà. C'est un style. Je pense que c'est un style avant tout. Des canards accélèrent le processus de satisfaction des prisonniers drow, chacun son truc. Oui, alors là vraiment c'est chacun son truc, hein, pour pas dire chacun son cul. Abonnez-vous. Très bien. Un petit élément de déco peut-être. Une dinguerie comme on dit dans le milieu, peut-être. Genre je vous mets des pots cassés. Voilà, des pots cassés. Ah, sinon je pouvais vous mettre juste un drap. Oh, je vais vous laisser ça là. Je vais vous mettre en plus, comme d'habitude, je dirais bien une petite torche. Hein, maintenant on a des torches un peu mieux, ce qui paraît. Skip les machines. Voilà. Ok, ça comme ça. On peut se mettre des locs au mur, ouais. Même vraie moche. Des bonnes grosses torches à l'ancienne, bien sûr. Hein. Des bonnes grosses torches à l'ancienne. Ouais, mettez des trucs, quoi. Je sais pas, moi, improviser là. Oh, vite, faites des trucs. On essaie de se faire des prisons de qualité, quand même. Hein. Qui ressemblent strictement à rien, mais on adore ça, hein. Voilà. Ou des tentures au mur. Quelconque. Enfin, c'est quelconque, mais les gens trouvent ça bien. Donc, très bien. Bon, on leur fait ça, hein. On n'est pas très regardant. L'idée, c'est une salle à 2000 balles. Bon, ça se fait. 2000 balles, les gars. 2000 balles, trouvez-moi 2000 balles. Ah non, je veux les modifications là. Est-ce qu'on viendrait pas après remettre des cellules un peu plus tard? Genre on s'enlève quelques cellules. C'est des cellules pour les humains. Ah, en plus c'est que des cellules pour humains qu'il faut placer. On va virer les drow. Voilà. Parce qu'on nous demande que de placer de la serrure pour humains. Donc on va placer que de la cellule pour humain. Voilà. Pour l'instant on place ça comme ça. C'est hors budget. Nous sommes hors de prix évidemment. Ça va de soi. Sinon j'enlève de la torche là qui ressemble à rien. Et ça là. On se remet un truc comme ça. Sinon, je vire ça. Attendez, je suis en train de penser esthétisme. Parce que ça, c'est le même prix, mais ça prend plus de place. Alors techniquement, c'est moins bien, parce que... Je
je pense que c'est un pouvoir. Merde, c'est un pouvoir de décoration moins fort. Je sais pas. Nous ne savons pas. Peut-être ne le saurons-nous jamais. Voilà, on a éclairé derrière. Cette torche à 70, pareil, on peut la virer. On peut opter plutôt pour une torche moins coûteuse. Voire pas de torche du tout. Genre en fait on met ça là. Oui, je bouge. Bouge. Fous-toi ailleurs. Dégage. Voilà. Ça c'est bon. Je mets ça. Je me mets ça. Moi je peux pas. Ben, je me la mets comme ça. Alors tu vas faire quoi? Hop, je me la glisse par ici. On a rien économisé. C'était pour faire genre, mais... Oh, on a pas un budget, hein. On sort pas on sort pas une thune, là. C'est catastrophique. Ah non, 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 ça coûte si cher que ça, une cellule. Ça coûte combien, la cellule? 90 balles. 5 balles, on devrait pouvoir se payer ça, quand même. Non, ils ont pas non plus les 950, hein. Waouh. Eh, c'est vraiment la tuile économique. On peut même pas construire ça. Non, mais c'est une blague, les gars. Faites un effort budgétaire. Faites un effort budgétaire, par pitié. Allez, 825, ça se trouve, là. Buvez. Buvez, bande de fous. Va falloir réaménager ce donjon. Il coûte à la fois trop cher et il est pas au petit. C'est un scandale. Et il est pas design non plus, d'ailleurs. Il est vite fait, en fait. Il sait pas de quoi il est fait. 800... Allez, on y est presque. Voilà, 25, parfait. Ouh. Il va falloir qu'on aille se faire un raid, hein, les gars. Faut me trouver du pognon, là. Tiens, c'est quoi, ça? Pas de pognon. Moi, je veux du fric. Peinture, le poulet. Ben, vas-y, on va te chercher un poulet. Faut quoi? Des artisans, des banquiers, des barbares, des... Oh, non, ça, non, c'est pas possible, ça. Domestique, cuisinier... tout ce qui rapporte du fric, faut envoyer des artisans. Des orques, des gobelins. Ah! Attendez, ça, c'est intéressant. Bam! Bam! Est-ce qu'on peut envoyer des artisans gobelins, ce qui est ultra efficace. On a aussi, voilà, on a du forgeron qui traîne bien comme il faut. Ça, c'est de l'elfe. Est-ce qu'on n'a pas du cuistot orc là sous le coude? Voilà, un petit cuistot orc. Il nous reste vraiment plus qu'un cuistot orc. Non, mais putain, mais mon personnage se suicide. Il se passe comment? Ça se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Je comprends pas, les gens se suicident, c'est pas possible. Bon, ils s'en vont de mécontentement. Putain, mais deux quichets, c'est pas suffisant. Non mais ça saoule. Ah là 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 là, le donjon craque sous son propre poids. C'est un drame. C'est un drame. Et pourtant, financièrement, il n'est pas rentable. Toi, t'as l'air d'avoir une queue infinie, mon gars. Personne dans la queue, 9. Oh, il est plein tout le temps. Tout le temps. Genre, ça ne s'arrête jamais. Mes réserves d'outils et compagnie, là. Stock et vente. Arme, on est à 250. Je sais pas, vends 90% de ce que tu produis, qu'est-ce que je te dis de plus? Raid de portée augmentée, c'est formidable. Je prends en sorte d'avoir toujours du sbire, ok. Et ici, il n'y a pas trop consommé pour réarmer les pièges du donjon. Ouais, t'inquiète, hein. 50%, c'est un bon quota, on arrive à rester à un stade convenable. Par contre, je comprends pas pourquoi on ne stocke pas plus d'armes.
pourquoi mes stocks actuels sont limités à 250. J'en ai mis une tonne là, 52 plus par 52 plus. D'où 250. On a fait un stockage énormissime. On comprend rien au management. Ah ouais, ça se m'étonne pas. Ouais, c'est un scandale. Qu'est-ce qui va pas? J'ai bien mangé. T'es content hein, de faire la gueule, connard. On manque de cuisiniers, plus de cuistots. Plus de cuistots orques. Pas de personnes de ménage. Plus d'espions. Des esclavagistes. Très talentueux. Le zombie est plus efficace dans ses tâches. C'est parti. Plus d'espions. Pas un billet là, si vite fait là. Cellule pour peau verte qui vient d'être débloquée pour les elfes. Oh, bah non, tellement bien fait de pas l'aménager. Voilà. On fait petit morceau par petit morceau. Hein. Il nous faut les cellules. Entretien perpétuel pour empoisonner un intrus. Vous pourrez capturer les intrus en les marquant lors du prochain combat. Ils seront mis KO plus rapidement. Une fois le combat terminé, ils seront escortés vers une cellule. Sélectionnez l'intrus et marquez-le. Quelqu'un veut bien aller le tabasser là? Ok. Ah, par contre, pas de prime. T'es en train de dormir sur les chiottes, toi? T'as meilleure vie? Personne pour le ramasser? Prends pas tout. Mais. J'ai pas un père fouettard là dans mes effectifs? J'en ai deux. Comment ça? Attends, son salaire, vous venez d'arriver, bande. Tout le personnel du donjon est ici, quoi. C'est vraiment. C'est raid hibitoire. On va modifier cette salle. Non, on va la garder. C'est quoi? On en fait une autre à côté. Salle au trésor. Sélectionner la prison pour l'aventurier. Oui. Torturé. Si la jauge atteint le maximum, le prisonnier mourra. D'accord. Un bourreau dit emprisonné torturé en humain, se faire latter par des par des latrines. Ok. À vos ordres. Hein? L'objectif de ce truc-là, c'est quoi? C'est juste d'avoir... D'accord. Hein? Ton job à toi, c'est de te moquer des gens. D'accord. C'est vraiment... juste un mec qui te monte du doigt et il se moque de ta tête. Toute la journée. On peut le libérer? Je vois pas l'intérêt de faire ça. Alors déjà, avant de faire quoi que ce soit d'autre, une prison pour les pauvres, s'il vous plaît. Comment j'ai calculé mon truc? Je suis un débile. Oui. La réponse est oui, Knarf. Du coup, ça c'est de la merde. Moi ça. Voilà. Déplace-moi celui-là. Ici. Et moi ça ici. Je
excusez-moi, je fais un peu de déco vite fait, hein, c'est rapide, hein, c'est pas très... Oh, tu vas pas me dire que t'es pas dans le bon sens. Ah, c'est parce que ça fermerait le chemin. S'il ferme le chemin, j'en ai rien à carrer. J'en ai rien à Maria, comme qui dirait l'autre dans le milieu. Je vais perdre du goût. Et un petit tableau de la mort. Et là, un petit tableau de la mort. Du plus bel effet. Donc, deux cellules d'orques, deux cellules d'humains, une cellule d'elfes. Blablabla. Deux cellules d'elfes. Des cellules de drow. J'en ai qu'une. Du coup, j'aurai qu'une seule cellule de drow. Ah, deux cellules de drow. Eh ben, siège de torture humain. Un comme ça pour drow. Donc, ça suffit largement. Je pense. Je pense qu'il n'y a pas plus à ajouter. Et c'est déjà hors de nos moyens. Ah, mais parce qu'on n'a pas un sou encore une fois. Bah, super. Pourquoi on fait des bracos? C'est pour être fauché tout le temps. On peut pas enregistrer pour plus tard là. Ça m'arrangerait bien. On n'a pas un copec comme d'habitude. Ok. Bon, bah, les drones, on verra plus tard. Ça, on verra plus tard. On peut au moins se payer une cellule d'orque, non? Ah, c'est vraiment, on peut rien se payer quoi. Si une cellule correspondant à l'origine ennemie, vous pouvez emprisonner vos sbires depuis leur fenêtre d'information pour stopper les grèves et les démissions. L'aventurier que nous avions emprisonné a été complètement brisé par sa détention, maître. Bien, qu'il aille témoigner de la terreur qu'inspire mon donjon. C'est très pratique aussi pour les grévistes. Ils deviennent tout de suite plus conciliants une fois qu'on les a logés gratuitement quelque temps. Je vais pouvoir écrire au temple de Wismal pour me gausser de la médiocrité de leurs installations. Ok, récupérer le butin, ça c'est bon. Diplomatie charcutière. Domestique ou cuisinier orc. Du cuistot, hein. J'ai plus qu'un cuistot encore. Deux. Pas d'autres cuistots? Ah oui, c'est bon, là, j'ai commencé à avoir une armée de cuistots, c'est pas mal. Cuisinier ou domestique? Plus de faction si c'est des orques. Je pense que c'est pas très intéressant, mais je vais peut-être mettre un soldat orc avec eux, quoi. Soldat orc, ils montent pas en niveau, hein. 67%. Lance le raid. Ok. Quelle est cette odeur? On dirait qu'une famille de ragondins est venue mourir dans mes narines. Parole, ça vient pas de chez moi, hein. J'ai nettoyé la cuisine il y a moins de 10 jours. Ah ouais. Maître, maître, le clergé de Nurgle nous attaque. Quoi? Ces cultistes chaotiques dégénérés? Qu'on les écrase sans pitié avant qu'ils ne mettent des asticots partout dans les couloirs. Réunissez immédiatement un comité hygiène et mandale. Vous avez dit Nurgle? Ah zut, je... Rien. Ok. Origine mort-vivant. Humain. Coffrez-moi cet humain. Ça me fait plaisir. Deux sbires décédés. Ça va, c'est des soldats. Et voilà, pas de problème. Le raid de Nurgle a été vaincu. Par les tribus du Chalibut, quelle odeur. Et de nombreux sbires ont été rendus malades ou blessés. L'autre, mais pourquoi cette attaque? Ah bah c'est moi ce machin là. Je vois ce que c'est. J'ai oublié de payer au fournisseur de fromage dans le bled d'à côté. Un type qui vendait de la cause bienfaisante, vous voyez le genre. Il m'a refiné un lot complètement moisi. Il faut qu'on règle ça avant que ça recommence. On va envoyer tout ce qu'on a. Méfiance, hein. Il a sans doute des tas de saloperies dans ses placards. Et si découvert par les gars de Njorg, il faut être prêt à vomir ses tripes, les deux pieds dans la merdasse. Voilà, enfin une pièce convenable. On va avoir des cellules pour tout le monde. Personne veut me ramasser cet humain là? Le bourreau est déjà en chemin.
Ah, et l'autre, il va encore aller réclamer son salaire ou bouffer, on sait pas trop quoi. Emporter le raid. Ok, alors attends, j'ai d'autres choses. La salle de pause s'est vue garnir d'un tome de secrets d'histoire. On n'a pas une salle de pause quelque part là. C'est une cantine. C'est une salle de pause. Voilà. Tiens. Et moi ce machin quelque part là. On peut pas. Merde. Supprime-moi ça. Moi ça à la place. Voilà. Ça les occupera. Ouais. Faites des trucs. Bon les raids. Marchand douteux de fromage moisi. Garde, espion, orc. Il me faut que des gardes orcs. Gardes orcs que j'envoyais en raid. Bon, bah on va attendre un petit peu. Hein. La PDF. Association des propriétaires de donjons de Fang. Récupérer le butin. Les 36 andouilles. Domestique, cuisinier, machin, ok. Mais non, il me faut le... Toi. Marchand douteux de fromage moisi. Faut envoyer des professionnels. Une légion de cuistots orques fera très bien le taf. Avec un garde d'élite orque du plus haut niveau possible. Bah ils sont tous nuls, ils sont tous niveau 2, c'est un scandale. Lancez le raid. Par contre 9% de chance que ça tourne mal, ça fait plaisir pour Chrome. Rendre service. Garde espion. Oh, on va balancer des espions. On en a plein. On a plein d'espions. On en a même trop, certains disent. Oh, on a plus que 5. Il y en a un qui a dû passer l'arme à gauche. Ah, c'est le problème d'avoir les espions dans la même salle où les aventuriers des boules, quoi. Et que, évidemment, ils sont aussi solides et épais que des voleurs. Dans la salle de pause, qu'est-ce qu'on a encore débloqué? Ah, on a débloqué encore un nouveau meuble. Super. Cool. Salle de pause. Ça, c'est 2 slots. Ouais, bien sûr. Hop. Hop. Permet à un sbire de s'amuser, permet aux sbires de se nourrir un peu, inutilisable par les drous. Parfait. Ah, nourrir un petit peu, c'est quand même bon deal. Hein. Je pourrais faire gicler cette petite table pour agrandir ma salle de pause. Ok, il y a un raid en approche de la PDF. Vous êtes tous en train de camper devant chez le banquier, c'est ça? Oh, l'infamie, quoi. Il faut vraiment qu'on règle ce problème de banque. Le trésor, la salle au pognon. Bah on va s'en caler un ici, un là. On va les mettre les uns sur les autres. Hein. Quoique. Plutôt l'inverse, puisqu'il va falloir qu'on l'agrandisse par l'autre côté. Voilà. Et on va enlever celle-ci, puisqu'elle ne nous sert à rien temporairement. Et on ne peut pas la VDD parce qu'on n'a pas assez de fric. Merde. Enfin, flûte. Moi, j'ai même pas assez pour la payer. Non, mais c'est pas possible, ça. Hop, annule la dernière. Bon, annule tout. Ouais. Ok, vendre cette salle. Voilà.
Ça m'a saoulé. Je vends cette salle. Et on recommence. Je voudrais une salle au pognon. Merci. J'ai combien de budget? Ah bah du coup j'ai du budget. Pourquoi subitement j'ai du budget? Je sais pas. Mais j'en ai. Voilà. Du coup on est très content d'en avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes. 6 portes, on va garder ça. C'est très bien. On valide. On va au recrutement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si là il n'y a pas assez de banquiers, plus rien pour le jeu. Voilà. Il y a un raid qui est terminé. On a ramené nos gars. Là, il y a un autre raid qui est terminé. On prend le pognon. On a bien racketté les voisins. Fromage douteux moisi. On l'a raté du coup cette mission. Tous mes gars sont morts. Déjà parti sur un raid. Comment ça? Comment ça? Ah, ennemi USB en... Ouais. 1000 balles! Ah, oh, merci! 1000 balles, ça fait plaisir! 1000 balles! Voilà, ça régale. Voilà, le trésor nain! Voilà, comme on l'aime. Vous savez quoi? Je vais même vous recaler des latrines à côté, ça me fait grand plaisir. C'est quoi ça? Coffre nain en pierre, augmente le prestige de la salle. C'est pas dans la bonne salle? Au bout de compte, ça reste un truc d'elfe, permet de garder la bière au frais. Ah non, on peut pas mettre ça dans la salle au trésor. C'est un peu à chier. Je vais mettre ça chez les Ankhdar, ça fera son plus bel effet. Chez le maître. Le maître. Ok, bon, chez le maître. En petit coffre de lit. En petit coffre au pied du lit là. Oh, je te dis que ça. Ou latéral au lit. Ok, bon. Sinon, en vrai coffre de pied. C'est-à-dire que je prends ça, je le vire là, parce que ça n'intéresse personne. Paf! Petit coffre de pied de lit, as-tu vu? As-tu vu, mon Ankhdar? Hop là, comme il est beau. T'es beau polo. T'es content? Elle est jolie ta pièce, crétin. Remporter le raid, ouais, fromage douteux, ouais, je sais, mais on s'est fait saigner. Invasion, ouais. Ah! Ah, c'est XP ici, hein. Ça monte en level, hein. Il se passe des choses. Je pense qu'une chose qui est importante, c'est qu'à côté de la banque... Ah, il n'y a plus de problème, là, à la banque, hein. Il y a des tas de pognon qui traînent par terre, c'est très rigolo. On peut aménager, du coup, cette pièce? Rien. Niette, nada. On va remettre des latrines à salle d'eau. On va se mettre une latrine à cet étage parce que c'est vraiment trop la crise. On va aménager l'intérieur. Côté de la douche. Voilà. Il y a une latrine à 1000 balles. Avec la fabrication de la salle, on a plus que ça, mais bon. Alerte! Alarme! Nous sommes attaqués.
hostile. On peut pas les coffrer. Ah, on peut coffrer personne. Faut dire l'autre, elle est toujours là. Hein. Faut toujours que ça se passe. Mais j'ai plus de père fouettard là. Trouve-moi un autre père fouettard. Trouve-en autant que tu veux là, mais trouve-en. Tire une flèche droit devant. Dégâts légers. Je sais pas si c'est intéressant, mais on va aller se mettre ça à l'étage du dessus. Hein. Histoire de faire bon genre, j'enlève ça et je mets des petites cloisons à la cool, genre non pas ça, genre ouais plus ça, comme ça par exemple, pour obliger les gars à se manger. Ça c'est peut-être un peu trop gros, on n'a pas l'édition moins long, ouais, alors moins rikiki, voilà. Chapeau pointy. Ok. Pam 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 pam. Ah, ça coûte une blinde. Et je pense que c'est les pièges qui coûtent un peu cher. On va peut-être s'en enlever quelques-uns. Ouais. On va peut-être s'en enlever quelques autres. On n'a pas 3000 balles? On est des clodos, c'est un scandale. Ah. Voilà, file-moi 1200 boules, ça fera du bien. Voilà, voilà. Oh, mais ils sont motivés par l'argent, hein. Il n'y a plus que l'argent qui les motive, c'est con. Hein. Plus que ça qui les motive. Par contre, ouais, les latrines sont prises d'assaut, alors j'imagine même pas les cuistots comment ils doivent être attaqués à la gorge. Oh, t'es prêt à faire des trucs. Je m'ennuie, je suis pas fort. Arrête de faire la gueule, tout va bien. L'étage 3 a été débloqué. Ouais, ouais, mais on ira toujours pas. Toujours pas l'étage 3. On pourrait agrandir ces latrines là, par contre. On s'en fout, de toute façon il n'y a personne pour entretenir les latrines. Salle d'eau, palier 3. Un chauffe-eau augmente le moral des sbires qui utilisent les douches. Eh ben. Ok. Pourquoi je me suis bourré? Dérange là, c'est. Il va faire ça là, c'est ça? Ok. Et j'aurais besoin que tu me démolisses ça. Ces caisses ne sont pas accessibles. Voilà. Valide. T'inquiète, t'inquiète, on va augmenter le swag de cette pièce. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà.
Hop. Voilà. Très joli. Alors maintenant, il faut qu'on ait une salle de niveau 3 pour débloquer le chauffe-eau, quoi, en gros. Qui ira à la place de... Qu'est-ce que ça fout là, ça? Tiens, ça, ça sera supprimé. Voilà. Parce que sinon, c'est pas assez communiste. Il faut que ce soit bien équilibré, bien centré et tout, pour que ce soit parfaitement communiste. Bien sûr, sinon... Finalement, être un génie du mal, c'est être communiste avant tout. Très important. Coffre au trésor dans les chiottes, faut peut-être pas déconner. On est prêt à beaucoup de choses, mais peut-être pas à ça encore. Là, on a déjà mis des torches. Ok. Moi, je pense qu'on repart sur des bonnes décos bien crades. Avec une petite torche ici, là. Là même de l'autre côté, avez-vous vu Ça va être beau. Hein. Voilà, c'est assez grandiose. Hein. Hop. Oh là, moi je vois des, je vois le destin. Hein. Ah, les bonnes petites bannières verdâtres. Parfait. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour adoucir cette scène de violence. On valide. Normalement, ça fait une belle pièce là. Une fois bricolé. Hein. C'est quand même des latrines, on peut pas faire beaucoup plus. Hein. Prime, 300 balles. Attends, on massacre des gens à la pelle. Hein. Attends, on passe notre vie à se faire assaillir. Hein. Et donc à payer des salaires. Vu qu'on a agrandi les latrines, ceci dit, ça a l'air d'aller mieux. Hein. Qu'est-ce que nous offre cet endroit? Des cellules pour les nains. Bourreau de grade. Ah ouais, il faut augmenter les grades des bourreaux. Ouais. Ouais, évidemment. Ça, on va s'ajouter des objets de torture, évidemment. C'est très important. Il faut savoir souffrir avec style. On va se mettre un petit bras à zéro des familles, bien sûr. Très joli. Petit bras à zéro des familles au centre. Ça fait tout. Ça fait toute la différence. Faut le dire, faut le dire. Moi, je suis pas honte de dire, voilà, voilà. Là, c'est beau. On a envie d'y être. Voilà, ça... Quelque part, on a envie de voyager. Ça donne envie de voyager. Voilà. Les termes sont lâchés. On voyage. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, du coup on a le chauffe-eau officiel, ça y est. Ah, c'est énorme comme truc. C'était pas prévu. Ah, ça prend 4 cases en plus. Tac, tac, tac. Voilà. On va faire la même au deuxième. Au premier. Eh ouais, sauf qu'au premier, il va falloir faire des choix. On va se caler ça dans le fond, je pense. C'est rigolo, les gens ils font prout. C'est super drôle comme jeu. Non, pas vendre toute la pièce, excusez-moi, modifier. Hop. Hop. Oh, t'es niveau 3! Oh là 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 là! Incroyable, les gens sont tout propres, ils sont payés maintenant, ils sont contents hein, finalement. Il faut qu'on rende du pognon, faut qu'on aille faire des raids. Et il faut qu'on règle cette histoire de marchand douteux de fromage moisi. Ça, c'est extrêmement important.
faut envoyer une légion de cuisiniers orques. Oh là là, mais pour envoyer une légion de cuisiniers orques, il faut en avoir. Et on n'a pas de cuisiniers orques. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est encore fait buter des cuistots. Un humain, un elfe, un orque. C'est pas nos effectifs. Je veux dire, moi, ça, on s'est fait réduire les effectifs méchamment. Un humain, un elfe. Oh putain, on a plus rien. Hein. On s'est fait massacrer encore une fois. Faut vraiment que je bouge les espions de cette salle-là parce que vraiment on se prend des tuiles. Des tuiles méchantes. Hein. Oh, 5, je le pense. Niveau 4, il est embauché. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est des cuistots orques. Il m'en faut beaucoup. Faut pas chercher. Il m'en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, il faut qu'ils soient très, 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 très nombreux. Notre balance commerciale, elle doit être horrible. Mais bon, on se débrouillera avec. On se débrouille avec, d'ailleurs. On se débrouillera avec, on se débrouille déjà avec. Ah, la salle du fun. Au fond du fun. Très bien. La salle est somptueusement dégueulasse. Les angles d'art sont encore assez propres. Le bureau de Revax est toujours impeccable. C'est effrayant. De qualité. Alors. Parlons peu, mais parlons bien. Ceci dit, parlons peu, mais parlons bien. Parlons-en dans un autre épisode. C'était Knarfonction comme d'habitude gaming pour le maître du donjon de Nalzuk. Et je vous dis à la prochaine.